Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Shadow of the Tomb Raider. Alors nous avions commencé à rentrer dans la grande crypte derrière la cité. Donc on avait commencé à descendre un petit peu là dans cette espèce d'immense gouffre. Donc on va essayer d'éviter de tomber, ça serait dommage de mourir bêtement. Alors ouais, j'avais pu ouvrir ça de ce côté là. On va voir où ça va nous mener vite fait. Oula, j'ai failli me faire un peu mal. C'est quoi ça? C'est juste des ressources un petit peu on dirait. Ouais. Pour l'instant, rien d'extraordinaire. Et. D'accord, ouais, c'était vraiment tout. Ça m'étonne. Allez, si je fais l'espèce de vision. Ouais, non, rien de spécial. Je peux remonter quand même, du coup. Parfait. Ok, bon, allez, on va repartir de l'autre côté, du coup. Voyons voir. Il faut entrer. Yes. Ok. Ça doit être l'entrée. Après l'autre elle m'a dit attention les trinitaires ils ont le contrôle de je sais pas quoi. Alors est-ce que ça veut dire qu'ils sont dans le coin là? Ok, ça nous monte à 26%. Bon, on va devoir se glisser par là. Oula, ça a l'air moche ça. Ah, c'est le fameux truc, l'odeur de la mort. Ça doit être l'endroit dont parlait Edsley. Ah, effectivement. Génial. Pourquoi il y a des gens qui sont suspendus? Pourquoi il y a du sang sur les murs? C'est dégueulasse. En admettant que ce soit du sang, bien sûr. Oup, génial. Tout doux, surtout. Tout doux. Alors, la question c'est où est-ce que je vais pouvoir aller là? Parce que... Ok, ça a marché. C'était honnêtement pas du tout prévu dans mon analyse du truc là. Allons voir. Ah d'accord. Wow, comment elle pousse. Yes. Ah. Bah. Ah non mais en fait... Ouais, tu m'étonnes. Je crois qu'en fait ils sont jetés depuis le haut, c'est pas possible autrement. Ouf. Ah c'était juste hein. Est-ce que je peux sauter là? Non. Est-ce que on peut... Ouais, faut que je descende, je pense. Hop là. On va passer au deuxième. Oh, wow. Tu tombes pas, s'il te plaît. Ah! Oh putain. Alors, apparemment... Si, ouais, c'est bon. Putain, mais qui c'est qui les accroche comme ça, ouais? Ça peut venir que de là. Ok. Perbe. Alors, oula, ça va pas être très fun. Qu'est-ce que c'est que cet endroit, sérieusement? Bah, évite de tomber. Te casse pas la gueule, s'il te plaît. Ouh, ça c'était juste. Je vais y arriver. Perbe. C'est très bien que ça va se casser la gueule au dernier moment. Non, tout va bien. Nick, wow. Un sacrifice rituel. D'accord. Il avait coupé la tête, pareil. Hein. Une espèce de prêtre, du coup, fameux culte. Bah, du coup, il devait être... Wow. Semblerait que, effectivement, il va y avoir du culte bientôt. Merde. Hop là, reste bien accroché. Alors la question c'est, est-ce que je vais descendre en rappel parce que sinon on a aussi la position là-bas quoi. Pas pouvoir m'accrocher là, il n'y a rien de particulier. Oups. Et bon. Hop là. Génial. D'accord. Donc c'est bien ça. Il
Là. Oh, ça va être dégueulasse ça encore. Ouais. Génial. Ça donne envie, hein. Là, l'odeur doit être absolument insoutenable. Ok. Voilà. Tu voulais un sacrifice humain, je t'en ai fait un. Est-ce que c'est un rebelle ? J'espère que non. Mais il y a de fortes chances pour que ce soit un. Ou du moins quelqu'un qui devait être suspecté de rébellion. Il doit y avoir un accès. Je suis d'accord avec toi, Lara. Le problème, c'est qu'il va falloir le trouver. Alors la porte est là, apparemment. Un truc là-haut, non. Y a pas cette dalle là, elle peut pas bouger. De l'autre côté, je sais pas trop. Oh, un serpent, ah, le mur. Avec un œil d'argent. Ah oui, tiens. Je suis sur la bonne piste. Il est là le serpent. D'accord. Oui, il faut entrer. Allez, c'est parti. L'odeur est de plus en plus forte. Ah ouais, avant c'était pas déjà dégueulasse comme c'était avant. Ok, on est dans le ventre du serpent apparemment. Jonah. J'ai trouvé un autre serpent avec un œil d'argent. Je suis sûrement pas loin. Je parle tatouage avec Ushu. Tatouage ? Oui. T'as vu ceux de Nouratu, non ? On peut voir un héron et une éclipse. Ça a peut-être un rapport avec la boîte d'argent. Non, je crois pas. Oh, nice. Bon, pas confus. Ok, donc terminer l'épreuve du serpent. Alors, déjà, on a quelque chose là. On peut pousser. La bouche du serpent se ferme. Ça se rouvre après, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Ok, alors qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse avec ça? Ok, ça c'est juste quelques niveaux de compétences supplémentaires. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre après dans les environs? Cette espèce de machin, donc il va comme s'il fallait faire glisser des flammes. Ah, oh, il y a quelque chose là. Voyons, on va juste refaire le tour. Voilà, genre c'est, il y a des caisses comme ça à récupérer, donc ça c'est bon. Alors si je tire juste dessus, qu'est-ce que ça donne? Très bien, donc ça a fait glisser de l'huile et du sang. Ok. Parce que... Bah voilà. Et ça... Ok, ça commence à couler. D'accord. Et du coup... Si on ouvre ça maintenant, ça devrait foutre le feu. Là. Voilà. Et ça va du coup brûler tout ça. Bon, ça m'étonnerait que ça s'arrête là. La barrière est baissée. Je dois pas m'arrêter. Parfait. C'est parti. Oui, là on va vraiment descendre au fin fond du ventre du serpent, il semblerait. Ce serait une sorte de réservoir de sang. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Encore la même chose, il va falloir remplir ça de trucs. Il faut probablement... activer quelque chose. Attendez, ça nous emmène quelque part. Ok. En théorie, il devait y avoir un passage à une époque. Alors, voyons voir. Est-ce que ça va suffire pour remplir le truc? Yes. Ça va remplir le reste en bas aussi, apparemment. C'est tout. Il faudrait des centaines de sacrifices pour réussir à remplir ces canaux de sang. Effectivement. Sachant que... Ah, j'ai compris. On a le sang qui arrive par là et il faudrait le faire... Merde. Il
falloir le faire glisser du coup en bas, je pense. Donc, genre là. Voilà. Là, il devrait pouvoir glisser jusqu'ici. Et après, une fois là... Alors, celui-là, je peux pas le bouger, par contre. Bon, attendez, on va déjà faire ça pour voir. Et après, ouais, déjà, effectivement, tu te demandes où est-ce qu'il vient tout ce sang, quoi. Non. Alors, voyons voir. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Hop, ça commence à couler en bas. Ça glisse à droite. Ça va dans le deuxième. Et là, je sais pas, il faut peut-être que je foute le feu maintenant, non? Ah merde! J'ai pas été assez rapide. On va la refaire. Heureusement qu'ils avaient des bonnes réserves pour que je puisse le remplir trois fois, le truc. Ok. On va commencer maintenant. Voilà, je le disais aussi. Non. D'accord, alors c'est pas ça. Parce qu'il faut pas faire couler le sang par ici, je pense. On va voir, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme... Attendez, ouais, donc si je fais ça, ça va nous envoyer dans un cul-de-sac. Si on fait ça, hop, ça nous envoie de l'autre côté, ça sert à rien. Alors ça, ça va nous envoyer... Ouais, pareil, dans un cul-de-sac. Ah, ça, ça nous envoie au milieu, par contre. Ça fait tchac, 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 ça ressort au milieu, et... Le problème, c'est qu'une fois au milieu, ça change que dalle. Vraiment pas faire tourner, celui-là. Le truc, c'est qu'il faut que ça aille sur celui-là. Donc, faut que ça vienne sur ça. Sauf que le problème, c'est qu'il y a rien... Ça peut pas venir sur ça. Con. D'accord. Alors, on va le retenter. Ça ne fonctionne pas, ça. Oh, il y a quelque chose par là. Ouais, ça devrait. Yes, nickel. Ah, alors je vois qu'il y a ça là-haut. Ah, oh. Ah ah. Non. Ça c'était bien tenté, mais la rame, mais c'était pas tout à fait ça, tu vois, que je voulais faire. C'est plutôt ça. Si on fait tourner là. Là, on peut faire tourner l'autre en bas, du coup. Jusqu'à ce qu'il s'installe. Alors déjà on va regarder là, qu'est-ce que ça donne. Bon là ça reste dans celui-là et ça va juste améliorer, ouais, alimenter ça. Donc ça c'est pas bon. Du coup on va refaire encore un tour. Ok, ça c'est là où on était avant. Il me semble. Donc là ouais ça nous envoie pas au bon endroit non plus. Alors, fait, après la plateforme du haut je la rebougerai je pense dans un second temps. Je veux surtout voir dans quelle situation. Hop là. Allez là. Donc ça marche
pas non plus. Ça, ça ne marche pas. Ah, j'ai quasiment tout testé parce qu'il n'y a que 4 configurations possibles après tout. Ça peut être celle-là. Hop, 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 reviens en arrière là. Ouais, la seule qui fasse sens, c'est celle-ci. On coupe. Et après, il nous reste plus qu'à... Voyons voir, parce que là... Le sang va aller sur la droite, donc ça, ça me convient pas. Il faut aller, il faut que j'envoie le sang sur le milieu si possible. Hop, 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 reviens, je vais vérifier là. Alors là, ça part par ici, mais ça va rien faire de particulier. Celui-là, il nous envoie le sang au milieu. Donc a priori, là, on est... Là où il faut. Donc on va activer ça. Profiter du fait que ça remplisse pour se préparer à réactiver le reste. Ok, alors voyons voir. Où est-ce qu'il va ce sang? Il fait le tour, il repart. Il descend de l'autre côté. Et bim, il va là où il faut normalement. Si j'y fous le feu, ça devrait foutre le feu. Le truc qui empêche de passer là-bas. Yes. Nickel. Magnifique. On va attendre qu'il n'y ait plus de flammes quand même. Voilà. Oh! Quoi, c'est un plan vers une nouvelle. Un serpent, ouais. C'est sûrement ce que cherchent les Trinitaires. Ah, et du coup, le fameux système d'évacuation d'eau. Ouais, vaudrait mieux que se barrer en courant. Et ça va être à moi de reprendre le contrôle là. Alors, en plus, on n'est plus habillé comme il faut. On va essayer de passer à l'intérieur, non? Oups. Pour la droite, ça marche aussi très bien. Wow, c'est pas passé loin. Wow. Oh merde. Ok. Bon, va vers là où il m'empêche d'aller quoi. Wow. Oula. D'accord. Bon, lui il a l'air d'être mort en tout cas. Allez Lara, relève-toi. Pourquoi elle a plus son flingue? Je pense que ça a l'air bon. Ok. Je crois que c'est un service. Ouais, retrouver son fils. Je vais revenir vous voir dès que je pourrai. D'accord, on a réussi à les semer juste comme ça, du coup.
Voyons voir. Ah, ça, c'est les fameux 5 parias, d'accord. Ah, sinon, si on va par là-bas, on devrait pouvoir revenir. Oh là là. Oh, je suis pas du petit, ouais. Ah oui, si, ça c'est le pont. Je comprends pas trop comment ça marche leurs histoires de. Waouh, d'accord. Il y a un immense temple en fait là-haut. Alors non, j'ai pas récupéré ces trucs à lui. Utiliser l'échelle tant qu'à faire. Et ensuite, alors c'est par où? Ouais, c'est bien par là, c'est ça. Hop là. Récupérer les ressources qu'on peut, tant qu'à faire. On aurait pu aller voir les bannissements. Ok, on y est. Où c'est à droite, c'est ça, je pense. On y va. Unuratu, Etzli s'est fait prendre. Je sais. Ils le retiennent dans la caserne. Nous cherchons un moyen de le sauver. J'ai tout essayé, je suis désolée. C'est un guerrier. C'est quoi? C'est une clé. On dirait qu'elle a un rapport avec le temple de la montagne. C'est tout près de l'endroit où ils le retiennent. Si la boîte d'Ischel a un lien avec la caserne, c'est pour ça que le culte s'est installé au temple. C'est imprenable. Pour y entrer, il faut être discret, silencieux. Il y a un passage? J'en connais un, près des mines de sel, mais c'est en très mauvais état, très dangereux. Je peux peut-être y arriver. Peut-être. Tu as survécu à la fosse du sacrifice? Je n'y suis pas retournée depuis mon enfance. Mais si j'en crois mes souvenirs, la caserne est dans une forteresse intérieure. Si j'arrive à passer par là, je ferai de la place pour vous faire entrer. On retrouve Etzli, et puis ensuite la boîte. Je m'occupe de mon fils. Je te laisse la boîte. Ouais. Quel niveau de confiance? Ah, entrer dans le temple de la montagne. Bon, ben voilà qui va être intéressant, les amis. À mon avis, ça va être toute cette zone-là, non? Probablement. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là pour cet épisode, de toute façon. Attendez, je vais juste voir, parce que là, ce qu'on venait de faire, c'était ça. Ah ouais, c'était bien ça, là. Ça, c'était le fameux truc qu'on a remonté. Et puis, on est passé par là. D'accord. Ouais, je vais vous laisser là pour cet épisode. Comme ça, au prochain épisode, bon, on va se faire ça. Et ce sera très bien. Donc merci à tous d'avoir suivi, je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à demain pour la suite de ce let's play. Salut à tous !